Elle ne voulait jamais toucher une barre. Elle n'aime pas ça. Elle ouvert, à ramener un petit peu plus dans ma cure. Magnifique parcours. A tout à l'heure, Bosti. Ça fait deux camarades de votre équipe tricolore. Julien, Simon et Et bien sûr, Simon, tant pour moi, avec Bosti. L'honneur est sauf pour les tricolores. Et la France n'a pas les 100 derniers mots. On verra tout à l'heure. Ils sont plutôt en fin de barrage. Ouais, très bien. Alors, avant de Chalabinis et Pete for Fun, c'était Marcus Henning avec encore un fils de Fort Pleasure, une mère par pilote. Propriété d'écurie de Marcus Henning. J'ai déjà dit, mais ce poulain-là, à 18 mois, croyez-moi, j'ai pas les. Il restait pas du volet auprès. Vous voulez avoir un grand jaune comme ça. Ouais, très atypique, un collier comme ça, mais c'est pour autant un champion. Qui avait monté le père déjà, donc il connaît bien le mode d'emploi. Il est chez lui, donc il va se manger. Il est fort plaisir sous la selle de Christian Mann, il a fait la même chose. Oui, ce vertical ne fait pas non. Fort plaisir. Au mal en tout cas. Oula, je crois qu'il a hésité. Premier refus, j'en suis là. Je sais pas si on peut vraiment dire refus. On a vu ça là. Marcou, ça voulait prendre la première distance parce que pour être vite, c'est 4 points et le cheval n'a pas compris. Je pense qu'il va le refranchir sans aucun problème. Mais... C'est pas de la. Voilà, c'est juste surpris. C'est pas de la mauvaise volonté. Non, c'est de. C'est avant. Là. On l'a dit, c'est un parcours subtil. Des cavaliers ex numéro 1 n'y parviennent pas, Christian Mann a échoué. Oui, les chevaux de Marcus a échoué, et là, en l'occurrence, les deux chevaux